2019. La guerre mondiale nucléaire est terminée. W, à vous. Est-ce que vous me recevez? Répondez, à vous. Ici XJW, à vous. Je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? À vous. Je reçois votre signal. Qui êtes-vous? Parlez. Vous en donnez de moins en moins, n'est-ce pas? J'ai tout ce que je peux donner. Je sais même pas s'il y en aura pour tout le monde. Venez, venez tous! Je capte quelque chose. Des gens sont encore en vie. C'est un émetteur. Merde, plus rien. Je crois que c'est sans espoir. Pourquoi dire cela? Je l'ai entendu, ce signal. C'est un émetteur, j'en suis certain. Si c'est le cas, sa puissance devrait être d'un million de mégawatts. Et bien entendu, il ne pourrait être alimenté que par l'énergie solaire. Ce serait surtout une preuve que la vie existe encore sur cette Terre. Si tout pouvait recommencer comme avant cette horrible guerre. Les Templars! Les Templars arrivent! Prenez les armes! Tout le monde à son poste! Les Templars! Mon Dieu! Rassemblez toutes les armes! Dépêchez-vous! Venez-vous prêts à ouvrir le feu? Chou!
Regarde, il essaie de s'échapper. Je déteste les livres. Ils sont le malheur du monde. Bravo, Mako. Dis-moi, Mako, c'est ton préféré, celui-là, hein? Oui, c'est lui qui commandait les Templars, après moi. Ce n'est qu'un faible. Crois-moi, Wan. Il ne fera jamais un roi. Roi du désert. Le monde est un désert. Un lieu immonde et fétide. Mais nous devons le purifier. Car personne ne peut accomplir cette mission. Personne d'autre que nous, les Templars. C'est à nous qu'il appartient d'éliminer la pourriture. Encore un groupe de nomades qui essaie de passer. Exterminez-les! Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont encore un espoir qu'ils osent braver la mort. Lequel? Retrouver une civilisation qui doit encore exister quelque part. Les derniers que nous avons détruits avaient un récepteur qui captait un signal. Non, 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 il ne reste aucune trace de vie. Il ne reste rien. Thank you.
Qui a fait ça? On a été attaqué par les Templars. Après, des pillards sont arrivés, des malheureux contaminés. C'est mieux comme ça. C'était sans espoir. Vous en restez un, tué. Vous avez quelqu'un à achever. Moi. Je vous en supplie. Achevez-moi. Sors de là! C'est pas mal. Ah, cette fois, j'ai bien failli t'avoir. Bravo, tu es en progrès. Mais il faut encore t'entraîner. Je sais. Et je me doute que si tu es venu jusqu'ici, c'est pour me demander quelque chose. C'est vrai, tu as raison. Viens voir. J'ai des ennuis avec la boîte de vitesse. Tu peux jeter un coup d'œil? Je vais t'arranger ça. Ouvre le capot. Tu vois d'où ça vient? Tu t'es encore bagarré? À qui c'est cette oreille? Je saurais pas te dire. Je ne te donne qu'une heure. Ça ira.
t'aurais pu le faire. Question conduite, t'es pas champion. Ouais. Faut continuer à s'entraîner. Tu es fou, Mako! Il va te mettre en pièces! Tu n'as aucune chance! Il n'a pas d'ordre à me donner! Scorpion, je te croyais mort. Et moi, Shadow, je croyais que tu n'étais plus le chien de garde de One. Alors, toi et moi, on s'est trompés. Oui. Je vais parler à One de notre rencontre. Ça ne servira à rien de le lui cacher. J'imagine qu'il va piquer une bonne colère. Je me fiche éperdument de ses colères. Je lui dirai que tu épargnais Mako, d'accord? Et comme ça, ce sera une occasion de faire la paix. Je ne serai jamais en paix avec les Templars.
écoute, Scorpion. Tu te bats, tu tues, tu voles, alors en quoi est-ce que tu es différent des Templars? Vous souhaitez exterminer les gens jusqu'à ce que toute trace de vie disparaisse de la planète Terre. Et moi, je ne m'intéresse qu'à la vie. Voilà. Voilà en quoi je suis différent de vous. C'est douloureux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il revient se mêler de nos affaires. Mais on ignore d'où il vient et où il va. On ne sait pas non plus qui il va tuer. C'est un adversaire redoutable. Mais on peut et on doit l'éliminer. Les Templars sont forts. Il suffit d'un ordre et Scorpion est à toi. Bien sûr. Il aurait peu de chances de s'en sortir. Mais avant de l'avoir, combien d'entre nous seraient tués? Tu sembles oublier qu'il s'est moqué de toi, qu'il t'a traité de fou, de prêcheur de mort. Comment peux-tu accepter ces insultes? Moi, je lui ai pardonné. Tu lui pardonnes tout? Tu lui pardonnes aussi d'être plus fort que toi? Moi, je ne pourrai jamais lui pardonner de nous avoir ridiculisés. On doit s'en débarrasser. Maintenant! Non! Tu ne comprends pas qu'en attaquant Mako, il a cherché à te provoquer? Tu veux peut-être qu'il recommence, qu'il te défie encore une fois? Il mourrait s'il faisait ça. Il mourrait, seulement sa mort ne me suffirait pas. Parce que je veux beaucoup plus. Beaucoup plus. Je veux son orgueil. Je veux son âme. C'est de la folie, Mako. Je suis sûr que si Wan connaissait ce projet, il serait capable de te tuer. Il n'en saura rien. Tout ce qu'il verra, c'est le cadavre de son adversaire. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Gospel? Je suis d'accord. On peut essayer. Ce que j'aimerais, c'est qu'il souffre beaucoup avant de mourir. Et nous en serons remerciés. Soyez certains qu'après une action pareille, nous commanderons les Templars. Tais-toi, Mako, si on nous entendait. Wan et Shadow commencent à se faire vieux. Il serait grand temps que des jeunes les remplacent. C'est vrai qu'avec les Templars, dans les alentours, les femmes deviennent de plus en plus rares. Ah.
Ta blessure est sérieuse. Avec ça, on calmera la douleur pour un moment. Mais il faudra trouver quelqu'un pour vous soigner. Arrêtez de bouger. Je croyais que vous vouliez... Que je voulais quoi? Ben, j'ai cru que vous aviez une autre intention que celle de me mettre ce pansement. Pourquoi vous m'aidez? Parce que je devrais vous laisser. Retrouvé avec un groupe qui recherchait une zone non contaminée. Je crois qu'ils ont tous été tués lorsqu'on m'a capturé. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu aurais pu avoir quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu crois que la civilisation existe encore en ce monde? Et si vraiment il n'y avait plus rien? Il est nécessaire de croire en quelque chose. On peut espérer, même rêver. Toi aussi, tu as encore de l'espoir. Comment peux-tu l'affirmer? Pourquoi tu continuerais à lutter si l'on était autrement? Je lutte pour survivre. Thank you.
Ramène-le à Wan. C'est lui qui me l'a envoyé. Alors je le retourne à l'expéditeur. Salut, Scorpion! Tu arrives un peu tard, Nadine. Je voulais jouir du spectacle du héros triomphant des forces du mal. J'ai pensé que tu ne voudrais pas que je t'aide. Mais quand j'ai vu que ça se gâtait, j'ai eu tort. Je te remercie. Mais même sans ton intervention, je m'en serais sorti, enfin, je crois. Est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Je ne lui ai pas posé la question. Lui ayant sauvé la vie, elle veut qu'on épargne la mienne. C'est de la reconnaissance. Ah, ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant? Je vais m'en aller très loin avec elle. T'en aller? Mais c'est dommage, ça. Quand on a une beauté pareille, on en profite tout de suite. Tu sais ce que je te reproche, Scorpion? C'est de renoncer à la puissance que donne la victoire. Je n'en tire aucune gloire. Et moi, tu sais ce que je te reproche, c'est de te croire le plus fort. Et puisque c'est vrai, je n'ai aucune raison de jouer les modestes. Vous n'allez quand même pas tirer sur un ami? Toujours aussi tendre avec les femmes, hein? Non, c'est pas moi. J'ose espérer que ce sont les Templars. Sur le chemin, il y a une caravane, je l'ai aperçue tout à l'heure. On y trouvera peut-être de l'aide. Allez, venez. Tu connaissais notre loi, Mako. Désobéir, c'est mourir. Je n'ai pas eu de pitié pour toi et je n'en aurai pas pour celui qui t'a suivi. Parce que nous ne connaissons pas la pitié. Non. Nous sommes les Templars. Des guerriers vengeurs. Nous sommes des massacreurs. Des combattants serviteurs de la mort. Nous sommes les élus qui doivent faire payer aux hommes la faute d'être encore vivants. Nous nous sommes jurés que l'humanité tout entière
créatrice et complice de l'holocauste nucléaire, serait anéantie une bonne fois pour toutes, afin que la semence de l'homme disparaisse à tout jamais de la surface de cette planète. Quant à toi, Mako, tu avais été choisi parmi tous les Templars. Pourquoi as-tu désobéi? Pourquoi n'as-tu pas respecté notre loi? Maintenant, tu es seul dans ton voyage dans le néant. Tu t'es trompé, Mako, mais malgré ton erreur, tu es resté digne. C'est pour cela que nous t'honorerons. Nous t'offrirons en sacrifice des centaines de milliers de vies humaines. Ne nous laissons pas aveugler par la pitié! Oui, Templar! Tués! Massacrés! Exterminés! One! Le responsable, c'est Scorpion! Retrouvons-le et tuons-le! Non! À moi seul revient cette vengeance! Non, One! Je t'en supplie. Tu n'as pas le droit! Je t'en supplie, épargne-moi! Pitié! Alors, Charlie, ça marche? Non, je crois que c'est foutu. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non. Envoyer une réclamation à la compagnie d'électricité. Ah, c'est malin. Il faudrait d'abord que tu trouves un timbre pour ta réclamation. Seulement, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de compagnie d'électricité, il n'y a plus rien, mon garçon. Jamais il ne nous abandonnera. Ayons foi en lui. Mon père, c'est pour vous. Ah. Remercions le Seigneur. Mon père, venez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un message. Ça ressemble aux morses du siècle dernier. En tout cas, c'est quelqu'un qui se signale. Ça pourrait aussi être un signal automatique. Non. Alors ça signifierait qu'il y a d'autres êtres humains que nous sur la Terre. Oui, mon père. Et le signal est si net qu'il pourrait être très près d'ici. L'humanité est sauvée. Le Seigneur nous a entendus. Je le savais. Nous allons réussir! Deux voitures viennent vers nous. Deux voitures arrivent. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, mon père? Je l'ignore. Ça m'étonnerait que ce soit des Templars. Du moins, je l'espère. Question accueil, c'est le genre glacial. Ouais. Avancer maintenant. Reste là.
Qu'est-ce que vous voulez? Que vous soigniez une blessure qui risque de s'infecter. Est-ce qu'il y a un médecin ou quelqu'un qui pourrait l'aider? Nous avons de la nourriture. On peut vous en donner. Inutile de nous donner quoi que ce soit. La vraie récompense n'est pas de ce monde. On va vous soigner. Ça doit être une communauté. Je crois qu'ils appartiennent à une espèce de secte un peu bizarre. Ils ne croient qu'en un seul Dieu. Qui est au ciel, mais ils ne l'ont jamais vu. Hein? Ne craignez rien, mes frères. Ces gens sont venus en paix. Emmène-la chez Wiz. J'ignore qui vous êtes et je ne vous le demanderai pas. Mais je veux vous poser une question. Vous avez vu des Templars? Oui, d'un peu trop près, à mon avis. Et si vous restez ici, ils vous attaqueront. J'ai bien peur que nous ne puissions pas nous en aller avant deux jours. Nous avons presque tous nos véhicules en panne. Souhaitons la bienvenue à nos frères d'infortune. Vous vous occupez d'eux. Puis-je aussi m'en occuper? Bien sûr, Sœur Vinia. Donnez-leur tout ce qu'ils vous demanderont. C'est gentil. Non, je ne suis pas vraiment médecin. Je ne suis que rebouteux. Mais personne ici ne s'est encore plaint de mes services. Dans 8 jours, vous serez guéri. À moins que nous ne soyons tous morts. C'est gentil. C'est pas grave. Quand on partira, elle voyagera avec moi. Ils m'ont demandé de venir avec eux. J'ai accepté. Tu devrais venir aussi. Les Templars sont à ma recherche. Si je reste avec vous, ils vous tueront tous. Cesse de te battre, de tuer, de fuir. Ne crois-tu pas que la vie, c'est autre chose? Plus maintenant, Alma. On n'a plus rien à espérer. Eh bien, si tu penses vraiment ça, moi, je te plains beaucoup. Et toi, ça te sert à quoi de songer au passé? Écoute. Essaie d'oublier. Il vaut mieux ne plus avoir de mémoire. Tu lui as laissé tout le temps pour s'enfuir. Je te l'avais dit, Juan. Il fallait nous lancer à sa poursuite. Est-ce que tu considères que le chef des Templars est obligé d'obéir à tes ordres? Tu vas envoyer 2 sections à sa recherche. Section 2 et 4 aux voitures. Allez, vite! Dépêchez-vous! Allez, montez! On y va! Que je ne te plais pas, que tu ne dis rien. Au contraire, je te trouve très jolie. Et pour être tout à fait franc, je dirais que je commençais à me demander si ça existait encore. Tu as l'air d'être tout à fait sain. Enfin, on le dirait. N'aie aucune crainte de ce côté-là. Je suis en bonne santé. Dis-moi, si j'ai bien compris, tu assures le service de déconcentration? C'est ça.
Mais on ne fait pas souvent appel à moi. Parce que tous les hommes ici ont des femmes et ils n'ont pas le droit de les tromper. Mmh. Bon, tant pis pour eux. Alors on commence. J'en ai autant envie que toi, mais mon biorhythme est déréglé et j'ai besoin d'une certaine concentration. Oh, ben, moi j'ai tout mon temps. Peut-être que tu serais mieux concentré si tu t'allongeais. Voilà, prends tout ton temps. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait encore de la vie sur Terre? À ton avis, est-ce que des gens pourraient essayer d'entrer en contact avec nous? Ça me paraît très improbable. On n'en sait rien. D'où est-ce que tu viens? De Dallas 5. Dallas 5. Il y avait de belles filles dans cette ville. Alors tu te détends? Oui, ça va. La phase numéro 2 est commencée. Est-ce que ce n'est pas d'attendre qui est le meilleur dans l'amour? Ah oui, bien sûr, c'est vrai, c'est le meilleur. Parle-moi un peu de toi. En quelque sorte, j'ai eu de la chance. Dans ma ville, on a pu survivre à la guerre atomique. On a été très nombreux à trouver de la place dans les abris. On y avait assez de vivres pour y rester plusieurs années. Et ça vous a sauvé? Dieu nous a sauvés. C'est notre Seigneur. Il est au ciel. On est resté longtemps, jusqu'à ce que la région soit décontaminée. Alors, on est sorti des abris et on s'est mis en marche. En espérant trouver une terre plus accueillante. Vous ne risquez pas de trouver. C'est Dieu qui nous l'indiquera. C'est lui qui nous sauvera. Tu sais comment s'appelle l'homme qui nous guide? Non, je sais pas. Ça serait pas Moïse? Si. De m'excuser. Tu t'en vas déjà? Les Templars sont à mes trousses, mais ils ne font pas de détails. Ben, on se reverra. Je te retrouverai, comme toujours. Peut-être. Bye. Merci, Nadia. Bye. Ah, bon, ben, j'y vais. We'll be right back.
scorpion. Tu n'as pas voulu vivre comme un templar. Tu mourras comme un templar. Moi, le grand prêtre, Wan, chef des Templars, je vais t'imposer le suprême sacrifice. Jamais vu. On va attaquer. Quant à lui, faites-en ce que vous voulez. Trois gardes pour le tuer. Et vous en route. Thank you.
On dirait que ça te fait plaisir de t'attirer des ennuis, Scorpion. Mais peut-être que maintenant tu admettras que mon aide t'est utile. C'est vrai, plus indispensable que jamais. Les Templars arrivent! Abritez-vous les femmes, les enfants, aux abris! Par ici! Par ici, par ici! Vite, vite! Dépêchez-vous, restez pas là! Dépêchez-vous, je vois quelqu'un! Vite, allez, vite! Restez pas là! Allez! Alma, venez avec moi! Restez pas discret! Il faut que je m'en aille. Ah oui? Et tu veux aller où? Tu tiens pas debout. Tu dois reprendre des forces. Sans quoi, on t'enterre. Ici gît le grand Scorpion, valeureux et téméraire. Malheureuse victime d'une bande d'assassins fanatiques, les Templars. Il a refusé l'aide d'un ami, l'ami Nadir. Et c'est pour ça qu'il est dans cette tombe. Ben, ça te fera une belle jambe, n'est-ce pas, Scorpion? Ils n'ont pas encore rejoint. Qui? Les trois que j'ai chargés de tuer Scorpion. Ils devraient être ici. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alignez-les contre le mur. Voyez-vous? Ils peuvent crâner, je les briserai. Dis, petit génie, tu veux pas accélérer un petit peu? Mais toi, tu pourrais pas me laisser travailler en paix? Recommence. C'est beaucoup trop lent. Encore trop lent, il faut te réveiller. Je sais pourquoi tu renonces. C'est parce que tu ne vaux plus rien. Si tu trembles comme une fille, c'est parce que tu n'es qu'un lâche.
exploser cette colère contre ton ennemi. Et cette fois, tu pourras enfin goûter le fruit de la victoire. Retournez au camp et allez voir un peu ce qui se passe. Vite! Si on pouvait vaincre le ciel, moi, j'aurais pu ce soir être maître du monde. Mais je ne veux pas que mon nom soit souillé par le ridicule en me battant contre un monde au ciel sans limite. Et je devine que bientôt, moi aussi, je franchirai l'ultime barrière. J'ai envoyé un groupe jusqu'au camp, voir pourquoi les trois gardes ne sont pas venus nous rejoindre. Que craindrais-tu, Shadow? Barrière. Si on pouvait vaincre le ciel... Si on pouvait vaincre le ciel, j'aurais pu ce soir être maître du monde. Mais je ne veux pas que mon nom soit souillé par le ridicule. Tes réflexes sont encore trop lents. Trop lents? Tu n'as pas vu la précision? Il faudra réagir au quart de seconde quand tu seras en face d'eux. D'ailleurs, je vais venir avec toi. C'est à moi de venger mon honneur. Ne t'imagine surtout pas que c'est pour toi que je fais ça. Ne te fais surtout pas d'illusions, Scorpion. Alors pourquoi tu tiens à les affronter? Parce que je veux les vaincre, les anéantir. Et à moi tout seul, je suis le seul à pouvoir vaincre les Templars. Non, Nadir. C'est à moi de me venger. Ma vengeance, ta vengeance, où est la différence? Pourquoi se disputer pour des bêtises quand le monde est en péril? Une seule chose doit compter pour nous. Vaincre! Pour ces canailles. Alors nous aussi, on n'a qu'à se conduire en canaille. Lance une grenade! Vas-y! Des fous! Vous ne comprenez pas que le monde n'existe plus. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Même le ciel n'est que silence. Toi, et toi, et toi, vous n'êtes que des cadavres qui marchent. Il n'y a rien, rien, même pas ce signal que vous croyez entendre. Rien n'est resté. Les âmes sont mortes. Les espoirs sont morts. Il n'y a qu'une foi. Plus qu'une seule extase. La mort! Et vous aurez la mort! Vous, les derniers déchets d'une humanité indigne! Les gars reviennent du camp. Shadow! Il faut qu'il soit puni! Personne n'a le droit de m'interrompre! Qu'est-ce qui se passe? Réponds, Shadow! C'est un piège! Attention! Conseil de rester là où vous êtes. One.
Scorpion. Pourquoi tu es revenu? Pour une seule raison. Te tuer. Scorpion! Ce que tu veux sauver n'en valent pas la peine. Regarde-les, ces rêveurs insignifiants. En venant à leur secours, qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu es fort? Que tu es courageux? Tu crois être un héros? Ha! Bien sûr! Autrement, pourquoi tu agirais ainsi? Tu essaies seulement de te prouver que tu vaux encore quelque chose. C'est pas vrai? Allez, réponds! C'est pour elle? Pour eux? Alors dans leur intérêt, je te conseille de jeter ton pistolet! Ou je les tue tous! Jette ton arme ou je les tue! Je les descends l'un après l'autre!
Il est là-bas. Le laissez pas s'échapper. Alors, où penses-tu aller maintenant? Le monde est grand, Nadir. Je te retrouverai. Comme d'habitude. Nadir, est-ce que je peux encore t'être utile?